Bonjour, c'est parti pour la suite de Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. Épisode 16. Ça risque de partir en steak. C'est parti pour la quête principale. On est censé être discret. Ouais, la terre tremble, ouais. Ah, salut! Bon, c'est pas exactement ce qu'ils disent, hein, mais... J'y suis. Mon Uratu vient de partir avec Akan. Elle attend que tu ouvres la porte. Bah voilà, le feu de camp. Ok. Compétences, on a combien de points, là? On a 3 points. Incroyable. Efficacité de concentration, on s'en fiche un peu. Fabriquer des munitions étourdissantes. Oui. Donc le fusil à pompe, ah non c'est, on a, ah, c'était pour le fusil et l'autre c'était pour le fusil à pompe. Donc ça c'est fusil à pompe, le fusil à pompe on n'a pas, mais des munitions étourdissantes. Ok. Bon, très bien. On devrait bientôt le débloquer le fusil à pompe là je pense, j'espère. La vraie question que je me pose là c'est, est-ce que j'ai le droit de me faire repérer? Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que si c'est pas grave c'est un non problème. Si ça l'est, ça en devient tout de suite plus. Mais... Bon, en tout cas, on récupère de l'or. Ça, c'est parfait. Non, mais elle a pris son gun et tout. Je pense qu'elle est déter. Donc, pour l'instant... Mais non, mais... Je méritais, hein. Je méritais parce que c'est affreux. Que ce soit en termes d'aim, de réflexe, de tout, ça a été affreux. Donc, je prends mon gun. Parce qu'à la subtilité, on s'en fout. Voilà, et finalement, on fait une élimination furtive. Mais je suis pas ici pour être furtif là. Là mon objectif ne va pas être d'être furtif je pense. Attends Lara, fais un truc là. Ok. Attention. Ils étaient trois, non? Bon, visiblement, ça va. Bah, par contre, je sais plus d'où je viens. Ouais, je viens de là-bas. Ah, lootons les trucs. Pratique les fumigènes. C'est pratique. J'aurais bien aimé faire un truc, une molotov, mais ça me va aussi. Avance, attaque, avance, recule, oui, ouais, super. Je crois que c'est là. Tout en subtilité. Oh putain, ah ouais. Saloperie. Je dis non. Maintenant, je dois ouvrir cette porte. Voilà! Tout en discrétion. Enfin,
Voilà la porte que je dois ouvrir. Mais au moins c'est fait. Finalement. Certes, il y a l'air d'avoir toute une arène qui a été designée. Ouais, non, mais là on aurait pu se cacher. Genre être discret et tout. Tirer et tout. Ouais, non, je vois. Hein. C'est vrai que ça aurait pu se passer pas mal de façons. Ah ouais, là j'aurais pu faire un fumigène. Mais je pouvais aussi leur tirer dessus comme un attardé. En mode paf, 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 j'ai plus de balles. Mais, hein, voilà. Après, j'ai plus de balles sur cette arme. Après, j'ai ça aussi, hein. S'amuser, hein. Pas fini de s'amuser, finalement. Bon, le mécanisme de la porte doit se trouver en haut de ce mur. Ah ouais, je pouvais me cacher là-dessus. Non mais, ah oui, vraiment, j'avais moyen de faire des trucs. Hein. D'accord. Donc, je voulais vérifier si ça a explosé ou pas. Là, ils font couler de l'eau. Mieux que du sang. Et donc la porte, oui, la porte. On parlait de la porte. C'est ça la porte, j'imagine. Ouais. Et donc le mécanisme. Ok. Ok. Bon. Pour la salle, il est toujours en vie, hein, vous me direz. A priori. Jonah. Comment va Edsley? Ça va. Ils l'ont libéré. Mais Onura tout a été capturé. Oh non. Et toi, ça va? Ouais. Je pars chercher la boîte. Je sais pas quand je reviendrai. Fais ce que tu dois faire. Merci. L'œil du serpent. C'est bien lui. Mais what the... En fait, non, il y a vraiment une partie de la map qu'on connaît pas, ici. Mais dans laquelle je suis jamais allé. Qui doit sûrement contenir le dernier sanctuaire, d'ailleurs. Mais c'est pas là. Très bien. L'œil du serpent. Fais gaffe, Lara. Ok. C'est stylé, hein.
Ok, très bien. Là, on est dans une ambiance plus assourdissante. Et on plonge. Allez, hop. Non, c'est stylé comme zone pour l'instant. Genre on peut pas sauter direct là. On dirait trop hein. Vous m'en voulez? Vous m'en voulez si je fais ça? C'est ridicule. Oh là là. Oui, ça ne pouvait pas passer, je sais. Oui, je me doute. Mais n'empêche que tu vois ça. Tu dis pas que... Enfin je sais pas, moi j'avais l'impression que j'aurais la distance. Quand même, un peu. Mais non mais ah par contre. Voilà, j'avoue, je pensais que je pourrais me tenir sur le bâton. J'avoue, enfin sur le bâton, sur le stick. Juste faut passer direct là. Oui bon d'accord, y a zéro fun, ça va. Nous faut qu'on découvre. Non mais ça, on dirait pas trop qu'on peut aller dessus. Je sais pas. Moi oui, en tout cas, j'ai trop l'impression. À cause de moi, ils tiennent une heure à tout. Qu'est-ce que Dominguez va lui faire? Tant qu'il aura besoin de la boîte, elle restera en vie. Ça va aller, Lara. Hein, ça va aller. Mais oui, chantage incoming, oui, sûrement. Hop là. Là, j'ai le droit de sauter. C'est bon. Comment on voudrait... Mais je vois pas de chemin. Moi, là, je vois ça, je me dis, bon, bah, on peut pas y aller. Alors que oui, bon, d'accord, certes, il fallait aller là. Je m'en rends compte, maintenant. Et certes, j'ai raté ça. Mais... 29 novembre 1603. Au dîner... Lopez m'a demandé si je pensais que ces païens pouvaient être dignes de la puissance supposée de l'artefact. Je dois avouer que si les habitants de Paititi pouvaient paraître nobles et industrieux, leur maigreur, leur énergie et leur absence de honte m'évoquaient des bêtes. « Et ceux qui gouvernent nos sociétés, m'a-t-il soudain demandé, lorsque, d'un geste de leurs mains baguées et parfumées, ils nous intiment de leur obéir, est-il normal que nous le fassions ? Que nous leur obéissions au doigt et à l'œil, qu'ils nous traitent comme des êtres inférieurs, comme des bêtes parfois même. Je n'ai pas su quoi répondre. Ces propos relevaient de l'hérésie et de la trahison, mais d'une certaine manière, je me demandais s'ils n'étaient pas dans le vrai. Eh bien, incroyable. J'avoue, tu te dis, ouais, c'est des incivilisés, ils te sortent ça comme réponse. Qui a bien pu faire ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, ils sont stupides, ouais. Ça fait pas réfléchir, hein. Incroyable. C'est pas Maya ni Inca. Ah bah oui, c'est Baba Yaga. J'arrête. Ok. Non, Baba Yaga n'a pas du tout été un traumatisme. Et là, j'ai le droit de sauter. Je peux plonger. Voilà. Finalement. Finalement, oui, certes, je me suicide. Plusieurs fois. Mais je l'avais pressenti, quelque part, je savais que ce moment viendrait. J'ai voulu un peu trop l'anticiper, c'est tout. Non mais plonge. Oh d'accord. Rien à foutre. J'ai voulu faire un plongeon stylé et tout, non. Que dalle. C'est vrai.
Comment ça? Comment ça, trésor englouti 1 sur 5 là? Oh là là. Ah, secret révélé. D'accord, bon, des cages de survie. Ouais, mais ça va être que dans cette zone, le... Au secours. Ça va être que dans cette zone, avec coffre caché comme ça. Nickel. On va être vigilant, il y a l'air d'avoir 12 milliards de trucs, hein. Notamment des poissons rouges. Non, mais les poissons rouges, c'est des piranhas. Ouais, je vois l'ambiance. Non! Je fais comment? C'est moins dégueulasse que ce que j'aurais pensé. Mais quand même. Non mais fais pas deux fois la même connerie par contre. Reste à distance des piranhas. Ah mais ça apparaît pas avec mon A. Saloperie. Ils sont où? Parce que je suis sûr qu'ils gardent des trucs trop bien. Je suis sûr qu'ils sont là pour te faire chier parce qu'ils doivent cacher des trucs trop bien. Genre ça là, ça a l'air trop bien. Encore un exemple de croyance syncrétique. Ce personnage sur la croix, ce n'est pas le Christ, c'est Kukulkan. Encore qu'on pourrait faire un parallèle entre les deux. En tout cas, tu ferais mieux de monter parce que, à mon avis, il y a des petits poissons. Bon, c'est pas les petits poissons, on s'en fout. Tout va bien finalement. Non, parce que les poissons, ouais. J'ai pas trop kiffé. Parce que je sais pas comment tu fais pour t'en sortir une fois qu'ils sont dans le collimateur. Ouais, s'il y a un moment pour récolter la jade, c'est là. Hein. Vite. Ok. Après, ça a l'air très grand, mais... Oui, si, ça l'est. Quand même. Quand même l'air d'avoir plein de trucs. Hein. Là, il y a un autre coffre. Ok. Plus que deux à trouver après. Bon, les récompenses sont pas folles, hein, mais... Mais c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que c'est pas la suite. Non. Ok. Ah! La carte de l'archiviste. Donc là, il y a des trucs, quoi, il y a des documents partout, des reliques partout, c'est pas fini. Ok. Très bien. Pour l'instant, tout cela me va. Là-bas, on y était allé. Donc là, on a vers le coffre. Ah, là, il y a un coffre. Ouais, mais par contre, ce qui me fait peur... C'est que là, on est à 4 sur 5. Donc, est-ce que le cinquième...
se cacherait pas par là. Ouais, parce que leur aller-retour, il est assez simple, hein. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il cache un coffre. C'est bizarre. Ils sont juste là pour t'emmerder ici. Mais t'as juste un document quoi, récupéré. Parce qu'après c'est vrai que le cinquième coffre peut être plus loin, après tout. Oui, oui Lara. Mais vu qu'on a eu les quatre coffres là, moi ça sert à rien que j'utilise cette vision. Après. Reste le problème que j'ai pas non plus j'ai pas déjà beaucoup d'oxygène, ça c'est un problème, mais je vois pas tant de loin que ça. Et je vois pas bien au fond. Donc si ça se trouve il était au fond et je me suis fait bait, je l'ai pas vu. Mais parce que là voilà, là on y allait. Ah mais est-ce qu'on est allé au bout? Parce que finalement il cachait peut-être des trucs il se cache peut-être d'autres trucs. Ouais. Bon, on va retourner une dernière fois au niveau des poissons. Et évidemment, il faut que je choisisse ce moment-là pour me repérer. Non, c'est bon. Ok, donc quand il me repère, faut juste courir. Après, attendez. Est-ce que je peux aller là? Est-ce que de là? Non. La réponse est non. Non, le truc qu'il gardait en fait c'est c'est quoi, c'est un minerai de jade en fait. Oui Lara, oui, je remonte. Bon. Tant pis pour cette histoire de coffre, on verra plus tard. Éventuellement. Juste remontons là, là oui c'est bon, tac, ok, bon bah let's go. Ok. Donc allons par là. Ça se trouve le coffre en plus il est juste juste après et je m'en vais être pour rien depuis tout à l'heure. Ok. Après est-ce qu'il va pas y avoir des piranhas? Oui, appuie sur Mage pour courir plus vite. Par contre, oui, c'est vrai que là, je suis sous l'eau en mode j'ai le temps, mais j'ai pas le temps. Et surtout que j'ai pas d'air. Glou glou glou. Bah ouais. Je suis complètement revenu en arrière. Évidemment. Allez, Lara.
Ok. Nickel. On peut respirer un coup ici. Pour l'instant, je vois pas de piranha, mais... Je vois pas de piranha, mais je vois pas de coffre non plus. Ça a l'air d'être par là, mais il y a un autre chemin. Alors attends. Parce que quid de l'autre chemin? Hein? Allô? C'est quoi ce bruit? Des marques dans les murs. Crottage des parois du cénote. Rien qu'un grand X et le mot fuit. Je fais. Bon, je reste pas plus longtemps. Une tête. Fais gaffe qu'il y avait une tête. Ok. Ah, bah yes. Là-haut. Ah. Bonjour. Évidemment, ce n'est pas très efficace, mais... C'est étrange, ça. Ouais, à la une, à la deux... Let's go. Ah bon. C'est tout bon. Ah bah voilà. Défi tombeau. Défi tombeau, il est où? Le journal de Serrano, de Tesserano. 1er décembre 1603. Nous avons pénétré dans un cénote non loin de la cité et établi notre campement dans une petite alcôve naturelle. Lopez a passé toute la soirée à regarder les flammes, comme ensorcelé, et n'a pas touché à son dîner. À deux reprises, j'ai tenté d'initier la conversation, mais il ne m'a gratifié que de son silence. Il est obnubilé par cet artefact, et si j'étais superstitieux, je me demanderais si cet objet ne communique pas avec lui. Les soldats aussi sont taciturnes, et semblent avoir hâte de se battre. Un de leurs chiens m'a regardé fixement toute la soirée, comme s'il voulait faire de moi son prochain repas. Sympa comme ambiance, tout ça, là. J'ai une envie, hein. C'était bien ce que je pensais. Non mais abort, abort mission, abort mission. Lara, abort mission. Je suis désolé Lara, mais... Ouais. Et c'est seulement un saut que tu foireras. Je ne veux pas. T'as pas voulu faire demi-tour. Je fais comme je peux. Hein. Et là elle me rip-up sur le saut. Non, c'est bon. Non.
Comment ça? Pour moi, c'était là-dedans qu'il fallait que j'aille. Bon, c'était peut-être en haut. C'est vrai qu'en haut, il y avait peut-être un truc. Le sol était pas si bas. Yes. Ça pour un défi que je ne peux pas faire. Au final. Ouais, alors la poche d'air, j'en ai pas besoin là. On a pris l'info. Attendez, parce que... Je suis pas sûr que c'était l'entrée du tombeau qui nous était inaccessible. Je suis pas certain. Yes. Le tombeau il serait pas par là. Eh oui. Donc c'est autre chose qui nous est fermé avec le fusil à pompe. Donc ça va, tout va bien. Zone inconnue, défi tombeau. Prends ta respiration. Ouvre la caisse. Les murènes sont de puissants prédateurs qui vivent dans les rochers. Si on les dérange, elles peuvent être dangereuses. Non mais je vais pas vous déranger. Ah ouais, non mais vous m'avez déjà emmerdé en plus. Mais non mais... Finalement je préfère ça au piranha. Hein. Toujours plus sympathique. Oui bah par contre, grouille-toi. Mais non, 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 je t'ai pas dérangé, c'est faux. C'est par où? Oui, bon, bah c'est bon, ça va, j'ai compris, mon couteau. Tiens. Le problème c'est que du coup en fait l'attaque de la murène. Vite, vite Lara, tiens le coup, c'est bon. Ok. Me vide de ma respiration en fait. J'ai l'impression. J'espère que c'est pas de là que je viens. Si, totalement. Tu vas reprendre la poche d'air. C'est quoi le défi tombeau? C'est quoi? C'est trouver l'entrée? J'ai l'impression d'avoir déjà fait cette blague. Plusieurs fois. Ah mais en fait, fallait que je me cache là pour éviter les murènes. Je comprends. Peut-être un peu audacieux là ce que je vais faire. Non, tout va bien. C'était scripté. Au début, j'ai cru que j'étais mort, mais tout va bien. J'aurais pu identifier ce qui se passait en dessous, en vrai, mais... Bah, il y avait sûrement des cages de survie et autres, mais bon, tant pis. Tant pis, c'est la vie que j'ai choisie. Bon, là, y'a quoi?
caisse. Il y a ça. Il y a un feu de camp. On va valider. Ok. Et on rentre là-dedans. Ok. La bataille a dû être incroyable ici. Une caisse. Toujours plus de loot. On dirait une sorte de sculpture primitive représentant un être humain. Ah. Yes. Oui, c'est vrai. Bon, un être humain avec un masque, mais un être humain. Du papier. Ça, ouais. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal de faire ça. On pousse, on pousse, on pousse. Et on casse tout. Oh, d'accord. Comment il a atterri dans cette caverne? Ok. Bah allons là-dedans. Normalement ça devrait aller. Radeau amovible. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on l'a poussé, effectivement. Ah oui, il s'est placé automatiquement au bon endroit. Okay. Yes. On a une corde là. On a un truc à faire ici. Ah, on peut faire un truc là. Tout cassé. Le canon est en position. Ah. Ok. Bon, on a déplacé le canon pour qu'il puisse tomber à l'endroit qu'on veut défoncer. Ok. Ah, là il y a une corde aussi. Ok. Ça m'aide pas des masses, mais ok. Est-ce que là je peux monter? Parce que là je fais quoi? Je fais ça? Non, ça ne sert à rien. Là je peux faire une flèche grappin, mais ça m'apporte pas grand chose. Là je peux sauter, mais ça sert à rien. En fait j'ai dépassé le canon, je suis content, mais j'aimerais bien monter là-dessus. Ah mais... Non. En fait, j'ai pas vraiment moyen de là. Ah, alors que peut-être que... Je peux encore les déplacer, on est d'accord? Oui. Non mais... Si je le déplace de l'autre côté.
Ah mais non. Parce que là j'y saute pas non plus quoi. Pareil, là il y a une flèche grappin mais ouais, enfin c'est là où je peux mettre l'autre flèche grappin mais sauf que ça me sert pas à grand chose. Je suis perplexe. Pour l'instant, je suis perplexe. On va remettre le canon là-bas. Parce que ça, ça me semble être dans tous les cas la bonne chose à faire. Mais là, là j'ai l'impression qu'on m'invite vraiment à aller là-dessus. Sauf que je vois pas comment. Et ensuite j'ai ce problème de flèche grappin là. Et comment je décroche ça aussi? Attendez. Pardon? Où est-ce que... Il faut bien monter. On peut descendre là. Ceci dit. Et ici... Ici, il se passe quoi? Il se passe vraiment rien? Ah, ok. Non mais, ah, bon bah d'accord, d'accord, non mais demi-tour là, demi-tour, c'est bon, compris. Mais là, hein. Prenons pas de risque. Tu te moques de moi? C'est scripté. Ok. Peut-être pouvoir monter. Hein? Hein? Pardon? Attendez, Ah ouais, d'accord. Je voyais pas bien, il fallait que j'aille ensuite quoi. C'était le souci. Ah, je suis de l'autre côté. Incroyable. Attendez, on peut monter là, non? Non. Enfin, en tout cas, pas encore. Ok. Donc là, on déplace ça. Non, ça bouge pas. Ah. Pourquoi ça ne veut pas bouger? Moi j'aimerais bien planter la flèche grappin. Alors attendez, pourquoi ça bouge pas? Qu'est-ce qui
bloque en fait. C'est la corde là? Ouais mais... Ok. Bon, on continue de monter. Finalement, c'est peut-être le principal. Et on casse tout. J'arrive pas à atteindre la boum. Oui, non mais t'inquiète. T'inquiète. Comment je... Pas moyen simple de passer. Non, je suis obligé de refaire tout le tour comme ça. Ça marche ça? Elle veut pas sauter, hein. Elle est pas très motivée, là. Ah, mais je peux encore monter. D'accord, moi je pensais qu'il fallait juste que j'actionne la... le truc qui tourne. Mais non. Vas-y, au moment, non. Ok, ouais. Toujours plus haut ou pas? Je crois qu'on est bon là. Qu'est-ce que je fais là? En fait, là, je suis dans une situation où je me dis, mais comment est-ce que je fais pour pas qu'il y ait d'accident? Bon, j'avais pas vu la durée de l'épisode. Terrible. Bah ouais, tu vas mourir. Pire, c'est que j'ai eu un moment vraiment où je me suis dit, bon, ça va, je vais peut-être juste prendre 40 000 de dégâts. Je reviens là. Non, mais attendez. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de rater un truc évident? Non, mais Lara, please. Faire un effort. Après, là, ceci dit, il y a un truc. Ouais. Mais c'est pas la même chose que ce que j'avais vu. Je crois que je revenais à l'endroit où j'étais avant. Ok. Ah ouais, non, pas du tout, je suis beaucoup plus haut. Vous êtes mignon, mais... Non mais Lara, merci. On va y arriver, on va y arriver. Peut-être. Non, moi j'ai confiance, je pense que c'est par là. Alors peut-être pas là. Mais là du coup. Bah oui, là. Oh, elle s'est décalée au moment où... Aïe aïe aïe. Oui. Non mais je sais sauter. Vraiment. Ça je sais faire. Ouais.
Bah du coup c'est bon, je suis descendu. Tout ça pour descendre en fait, finalement. Et pouvoir déplacer ça. Bah attendez, il y a un truc que j'ai pas vu. Ça me chiffonne un peu. C'est le truc auquel j'ai accroché. Non, pas ça. Le truc. J'avais pu accrocher avec l'autre truc là. L'autre corde. Là-bas là. J'avais réussi à accrocher à un endroit. Mais je sais pas où c'est. C'est ça qui me rend perplexe. Attendez, on peut descendre là. Il se passe quoi? Ah! Mais non, mais. Oh. Attends, mais vraiment? Pourquoi, Lara? Pourquoi est-ce que tu refuses? Par contre, il y a un problème hein, dans ce que je dois faire, parce que visiblement, je comprends pas tout, quoi. Non mais vas-y, Lara. Mais oh là là, au secours. En fait, je commence à être perdu dans le tombeau. Ouais, parce que là, on y est allé. Ouais, ça c'est le tout début. Voilà, et là on peut tirer une flèche grappin, mais même le pire étant, ah non mais attendez, ah non, mais en fait l'endroit sur lequel je peux tirer une flèche, c'est pas celui auquel je pensais du coup. Après là, le fait de le déplacer sur le côté, je crois pas que ça m'intéresserait. Ah, j'aurais peut-être dû regarder si je pouvais pas accrocher avec quelque chose, mais tant pis. Retournons par là. Essayons encore un peu. Le problème c'est que j'ai pas défini de façon claire comment je m'en sors moi. Ah oui non, là c'est tu montes et là tu vas sur le côté. Alors attendez, parce que ah non, parce que j'ai un problème qui est de que je ne monte pas là-dessus. Là je suis trop loin pour monter. Tout à l'heure quand j'y étais, le problème c'est que là pareil ça se coince. Enfin ça se décoince, à moins que je puisse pousser les caisses. Mais non. Donc là si je fais ça. Le problème c'est que ça va pas plus loin. Attendez, on va remonter là. On va refaire le trajet, hein. Je suis raté un truc, hein, mais. Mais je vois pas forcément quoi. Ok. On va remonter le plus haut possible. On va aller le plus haut possible. Mais du coup, est-ce que je monterai pas en face là?
Mais je peux pas... Attendez. Mais non, le problème c'est que je peux pas aller en face. Pour le coup. Ça fait partie des choses qui sont trop loin. Non. Mais de là, je peux rien faire en fait. Si, c'est juste pour le document quoi. Mais descends Lara. Non mais tu veux pas. Comment tu fais pour. Voilà. Là, on est d'accord qu'il y a rien. Voilà. Ce qui nous laisse là. Et ici, on peut faire ça. Mais quel est l'intérêt d'être là en fait ? Là, je peux tirer une flèche. Mais en fait, là, il y a plein de trucs flèches grappins. Sauf que. Sauf que yes, quoi. Et encore que non, je peux même pas le déplacer au bon endroit. C'est. Ah, à moins ce que... Oh, c'est bâtard si c'est ça. Bon. Non mais redescends. Ah non. Ah, c'est bon. Si c'est bon, ça il fallait le faire. Ça c'est bien. Ok. On va essayer un truc. Si j'actionne ça. Non mais. Non, ça change rien. En fait, je me suis demandé si ça déplaçait ça, mais non. Mais de toute façon, ça revient. Hein ? Attendez, ça revient à sa position ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est normal cette position là. What the fuck? Oh ça y est, je crois que j'ai fait bugger l'énigme. Bon, en tout cas là ça repenche. Passons par là. Là, il y a un truc que j'ai dû pas comprendre ici, du coup. La question, c'est quoi ?
que là, en vrai... Elle est sérieuse. Je te déteste, là. En fait, là, du coup, c'est bon, elle a voulu bouger dans la bonne position. Mais elle voulait pas de base, quoi. Non, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est que la troisième fois qu'on fait ce chemin, quoi. Enfin, si on compte pas les morts. Mais c'est bon. Après plus d'une heure de bataille, le temple va être vaincu. Enfin, le tombeau. Non, tu mourras pas comme ça. J'ai eu un doute sur là où c'était après. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est en arrière? Mais non, pas du tout. C'est après que c'est sur la gauche, mais... Mais après, quoi. Non, là, on monte. On monte ici. Merci, Lara. Est-ce que vous pensez qu'on montera sur cette statue? Je suis un peu dubitatif, mais pourquoi pas? Après tout. Ok. Ah mais attendez. Ça va être chaud, ça, non? Yes, yes, yes. Ouais. Je suis dubitatif. Hein, on va dire. On va dire ça comme ça. Allez. À moins qu'on puisse sauter là du coup de par là. Que dalle hein. Que dalle, on peut sauter hein. Par contre là du coup c'est méga chaud en vrai. En vrai, c'est méga chaud. Si je vais au plus bas possible. Là, je suis au plus bas possible. Je maintiens. C'est pas possible. Je fais tout ce que je peux pourtant. C'est que c'est pas comme ça ou c'est... Est-ce que c'est que je m'y prends mal? Est-ce que c'est que je vise pas le bon endroit? Après je suis d'accord, le saut il m'a l'air terriblement tendax. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment le choix, en fait. Le problème, c'est que vous voyez un autre accès, vous?
sûrement. Hein. Si on a un, sûrement, du coup. Mais... Le truc, c'est que j'ai rien pour... À moins qu'il fallait que je déclenche, du coup, l'appareil, et que là, je fasse un speedrun de tout, en prenant le moment où... On va essayer un truc, si jamais on rate. Hein. Mais... Oh. Me paraît bizarre. Bon, on va essayer. On va voir. Est-ce que si je fais ça... Ah ouais. Non mais regardez la vitesse à laquelle ça va. Et tu tournes à bout d'un moment ou... Alors, si je lui mets les trucs importants, il me met, ouais, il m'aide pas. Bon, on va tenter. On va dire qu'il fait un temps d'arrêt et il va repartir après. Parce que le truc, c'est qu'à part le choper comme ça, je vois pas comment je fais en fait. J'ai l'impression de vraiment pas avoir la range. C'est pour ça que je préférais le réactionner au cas où s'il marque vraiment un temps d'arrêt, pas commencer le chemin pour rien. Allez. Allez Lara. On se bouge quand même, au cas où. Ou alors c'est magique et dès que je vais arriver dessus, ça va se réactionner. Peut-être. Non mais Lara, fais un effort. S'il te plaît. Et là, magie. Ah, y a un radeau là. Yes. Non mais par contre. Sérieusement? Bah c'est pas ça du coup visiblement. Mais qu'est-ce qui fait que... Ouais. Ou alors tout simplement je peux passer par là. C'est pas grave. Oh putain. Ah, vivement qu'on ait réussi hein. Parce que là, je crois que ça commence à se voir là. Bah. Ouais. Huh?
Non mais comment ça, ma flèche elle y est plus? Oh non. Oh non. C'était où? C'était là. Ok. Oui, oui, bon, Lara panique comme d'hab, ça, voilà, on sait. Y a pas de souci. Finalement. Tac. Là, on saute là. Non, on saute là. On saute là. On saute là. Finalement, on se sert de la caisse. On va faire ça. Juste au cas où. Mais vraiment juste au cas où. Pas que j'ai pas confiance. Hein. Vraiment. Allez. Donc là on vise le bon truc. Hein. Voilà, parce que là il faut y aller, mais pas en premier. Ensuite on fait ça. Il faut monter tout en haut. Non, le but ça va être de décrocher le canon. Ok. Ok, on y est. Une lettre. Nous avons sous-estimé les indigènes, de fiefés coquins. Sous couvert d'une grotte remplie d'or, ils nous ont attirés dans un piège. L'endroit était infesté de monstres, mais après un combat acharné, nous les avons repoussés. Les survivants ont rempli le navire de ce qu'ils ont pu trouver. Le combat a dû affaiblir la grotte, car elle s'est effondrée lorsque nous avons voulu fuir. J'entends encore leur voix d'ici, qui creuse à travers les éboulements. Ok. Non, mais ça. Le souffle du caïman 2. Votre apnée dure plus longtemps quand vous nagez sous l'eau. J'abandonne le navire. Yes. Le Sun Cordoba, c'est fait. Ok. Attendez. Non, c'est bon. Et là? Là, c'est juste pour ça, 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 ça. Ok. Il était où le feu de camp? Ah, il y a une cage de survie là. Non mais attendez. Voilà. Au pire on fait ça. Ah mais elle est sous l'eau. Ça l'a pris. Ok. Ah et on a raté une relique aussi. Attendez. Elle est où? Ah. Ah ouais mais chiant. Chiant la relique là. Oh tant pis hein. Tant pis pour la relique. C'est pas grave. On s'en passera. Hein. Je... Voilà. Ok. Sortons de là, essayons de trouver un feu de camp et on va s'arrêter pour cet épisode et on pourra reprendre la suite de la quête principale, du coup, directement, dans le prochain épisode. Finalement, il y avait bien un sanctuaire par ici. Mais... C'est le sanctuaire de Cénote.
C'est le sanctuaire de la zone. Pas du tout le sanctuaire. Bon, là, il n'y avait rien. Voilà, pas du tout le dernier sanctuaire qui nous manque ici, quoi. 52%. 52% de la cité perdue. Yes. Il a le foot, quoi. Voilà. Ouais, on peut aller dans les points de compétences. On a deux points de compétences, ceci dit. Voilà, ça, on pourrait le prendre, à la limite. Voilà. Histoire de dire. Très bien. Écoutez, a priori, il nous reste 3 défis tombeaux. 3 tombeaux. De ce que je comprends. Hein, si je vois ça, si je m'en suis à ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de notre Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. Portez-vous bien. Bye bye.